Eh bien, salut à tous, c'est Seb. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour de The Forest, la 0.05. Et ils nous ont conseillé, bien sûr, sans nous le dire avant, qu'il faut recommencer une partie de zéro pour profiter des nouvelles expériences. Donc, du coup, bah, quand je vais chercher ma sauvegarde avec moi, tout ce que j'ai construit, comme on dit, dans le cul du. Donc, c'est pas grave, j'ai décidé que maintenant, je ne construirai plus de château, ni de maison. Tant qu'on n'aura pas résolu, on sera pas passé dans une version définitive. Il fait 37 degrés, mon cœur boit 70. Pulsation par minute, j'ai faim. Ah, le pied est toujours là. Alors, P. P, P, P. Donc, remonte un peu le son. Ah, ils ont rajouté des nouveaux bruitages. Et maintenant, on peut crafter un arc. Mais pour crafter un arc, il faut trouver du plume. La balle de tennis. Va chercher. Putain, on pourrait prendre le siège et tranquille et calé. Hein. Putain, là, je tourne à très peu d'FPS, je trouve. On va se prendre un becté. Donc, on va... Wow ! Ça, c'est fait. Alors... Petit lapin ! On va ramasser du bois. Je pense que maintenant, sur les vidéos, les prochaines vidéos que je vais faire sur The Forest, je voulais faire à chaque mise à jour. Bon, j'ai eu des soucis, c'est qu'à chaque fois que je range The Forest, mon PC plante. Et screen blue. Blue screen. Il n'y a que sur ce forêt, donc je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc qui se met en conflit? Je ne sais pas, je ne peux vous dire. Et là, je sais pas où est-ce qu'on a atterri. Là, je crois que j'avais vu quelqu'un en fait, non, ça va. Donc on va essayer de crafter un arc, donc il faut que je trouve du linge, de la corde. Et ça commence. Laissez-moi tranquille. Je veux vivre ma vie. Non, barrez-vous. Barrez-vous. Pas vivant, bande de salauds. Where is... Tiens. L'action, quoi. Tiens. Tiens. On va jouer au Pokémon. Salaud. Donc ma cabane était là-bas. Fut un temps, j'avais une belle cabane. Mais ça, c'était avant. Je suis couvert de sang pollué par ces saloperies. Allons nous nettoyer. Il est vraiment joli. Hein. Plus ça, plus l'optimiste quand même. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer la rive et on va ramasser tout ce qu'on peut ramasser. On va aller faire un tour dans la grotte, tiens. Parce que dans la grotte, il y a aussi maintenant un casque de mineur. Donc on va aller se promener. Là ils sont pas là. Ah c'est nouveau ça, la musique de quand on rentre dans un camp. Oh yeah. Quoi, c'est limite fort. Hein. Monte un peu le son de ma voix, on sait jamais. Et la ficelle dans les huttes, normalement. Médicaments. Ramasse-corde. Pars-toi vite. Ah.
La musique, elle est assez. Elle est pas mal. Sympa, petite mule. Alors. On va se promener sur la plage. On va aller au bateau. Et du bateau, on va essayer de rentrer dans la grotte. On va essayer de trouver des chiffons. Parce que là, qu'est-ce qu'on a alors? Là, nous avons du bois, des médicaments, du cordage. Ah, mais je peux fabriquer mon arc. Yeah, motherfucker. Voilà. Ça, c'est fait. Puis. Et maintenant, il faut fabriquer. Est-ce que j'ai des plumes? Plumes. Alors, enfin, il me faut des plumes. Après. Oh, génial le bruit. La lampe torche. Ben voilà, on va avoir des plumes. Hop, comme ça on va fabriquer l'arc. Posez-vous les pipiots. Lapin, on vole, La plume. Yeah. Ah oui, il y a aussi ça maintenant, il y a des piles dans la lampe. Yeah. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la peau de varan sert à se créer une armure. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Et elle pue. Oi. Eh ben, on trouve bon truc là. Intéressant tout ça. Est-ce qu'avec la pierre on peut tuer quelque chose? Viens ici, il va me falloir à manger dans pas longtemps. Petit tonneau! Oh, il a eu de la chance lui. Il va commencer à faire nuit. Peut-être avec ça. Stick. D'accord, ok, c'est bon. Yeah. Voilà, c'est bon. Il faut 4 plumes et un truc pour faire 4... Ok. Ok, bah voilà, comme ça on a découvert en même temps. C'est parfait. Un stick et 4 plumes. Pour faire 4 flèches. Pas mal. Alors je pense que les mouettes nous donnent plus de plumettes. Mais ça c'est à voir. Alors, on va abattre un arbre au pire. On va construire un point de sauvegarde sur cette plage-là. Ah oui, les deux poteaux. Ouais, voilà. Alors, on va se faire un petit feu de camp ici. Pour pouvoir manger. Donc, on va le faire basique, histoire juste d'être tranquille. Allez, allume-moi ce feu. Oh, je rêve. Ah bah tiens. Ne bougez pas de là, ne bougez pas de là.
Ne bougez pas de là, les filles. Voilà. Allez. Pouh. Ils sont où, ces vilains? Tiens, la visée, elle est chaude, on voit même pas comment on vise. Oh! Alors, le bout de la flèche. Oh! Headshot! Bien joué. Je pense que c'est ça, le bout de la flèche. Quand c'est compliqué, là. Là. Ah! Ils sont partis, ces petits enfoirés? Ils sont où? Ils sont partis. On va se faire cuire un lapin. Bon, allez, un petit varan. Cuisons la viande. On va manger. Ah oh merde, j'ai dû sauvegarder avant. Oh, elle est où? Allez. J'aurais dû sauvegarder et partir après. Mince. Oh, les nuages se déplacent maintenant. Classe. Les effets de lumière sont vraiment bien gérés. C'est pas mal. Ça devient pas mal. Alors. Sauvegardons. Oh là là là. Je vais tester l'arc, sur moi. Lâchez-moi. Bien petit. Oh, il s'est barré. Allez, long shot. Piou. Et là, il tombe. Ah, ça serait trop beau, ça. Alors, on va essayer de les suivre. Là, j'étais un peu dans la merde si je voulais les tuer. Avec la visée, elle est un peu. Ah, on peut récupérer la flèche peut-être. Oh là là, non, on passe à travers là. Oh! Bah alors. Oh, on peut pas la récupérer. Merde. Dommage. Ah, j'ai plus de flèches. Oh shit. J'ai gaspillé toutes mes flèches. Putain, on voit rien. Lampe torche. Comment on éteint la torche? Ah, d'accord. J'ai. Oh putain, j'avais jeté mon arc. Oh chaud, j'avais jeté mon arc comme un con. J'ai, ça balance l'arme. Oh merde. Et l'autre, les serpents dans l'eau. Les varans dans l'eau.
honte. Il se bat en courant, les tafioles. Tiens! Bim. Comme je rigole si j'en chope un dans la tête. Argent. Tiens, je vais sortir un cadeau de celui-ci. Je vais me taper une barre. Phil! C'est quoi ce truc là? Alors surtout, ne bouge pas. Alors combien il faut de flèches pour en tuer un? Alors, déjà, il faut que j'aurais bien le viser. Oh, une. Allez. Oh! Ah, c'est pas évident à viser. Oh là là, à côté. La visée, elle est vraiment merdique. Je n'ai plus d'épée. Plus de machin. Alors. Ouais. Comme ça, au moins, je me protège. Un petit coca. Et on prend ça. J'ai froid, mais je m'en fous. On va aller faire un tour au petit camp et de là, hop, nous revoilà. Après une petite coupure, j'ai parcouru la plage et j'ai retrouvé Volier. J'ai trouvé aussi ceci. Une hache de pompier. Et la mouette. Oh, les plumes. Donc on n'est pas loin de la grotte, on va faire un petit point de sauvegarde. Comme ça, si on se fait tuer, on recommencera ici. Même si c'est de nuit, c'est pas grave. Dégage, Amal. Apparemment, est-ce que je l'ai pas acheté là? Non, ça va. Donc, j'ai tout ça. Ok. Là, je suis pas mal. Je suis pas mal. Après, c'est chiant, c'est qu'à chaque sauvegarde, il faut recommencer. Donc, c'est un peu relou, quoi. Allez, un petit coup de sauvegarde, il va faire nuit. Hop. On s'en fout de la fin, c'est bon. Ah ouais, pas de plume. Ok, assis. On va fabriquer bon de flèches parce qu'on va aller dans la grotte. On va essayer de les tuer. Tiens, le mutant. Le big mutant. Avec les flèches. Bim. Vol shot. Bouffe ça dans ta face, la brute. Alors encore une et ça devrait être pas mal. Putain, il donne de plumes. Hein. Ici. Ok. Bon. On va aller faire un tour sous le voilier. En évitant de se faire bouffer par les requins. Là, l'avantage de lui, c'est qu'on les voit arriver avec leur petite lampe torche. C'est ça le mutant. Là. Putain, mais c'est la caverne des babas là. Wow, 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 wow. Dégage. Un bit. Bit. Ah, sur le bateau aussi. Une... Oh. Bah alors, allez. Un
Bah ça alors, allez! Bon, c'est pas grave, on a récupéré ce qu'on voulait. Alors, puis on va rester sur le bord là, le temps de construire. De crafter mes flèches. Remove toi. On va aller faire un peu de bataille. Seize flèches, c'est pas trop mal, mais bon, on va essayer. Et là, attaqué par un squall. Manger. Allez. Encore un bouffé là. L'étoile des merdes. Ah, la grotte, elle est là. Prêt pour l'aventure? Lame torche. Ok. Merde. Ah, c'est un bug, en fait. Oh, l'éclairage, j'ai l'impression qu'il est mieux foutu sur les... On finira la vidéo comme ça dans la grotte. Au pire, si je meurs, c'est pas grave, j'ai sauvegardé juste avant. J'aurais juste pas crafté mes flèches. Pas très méchant. Et là. Allez. I. On va essayer de se mettre à une hauteur pour pas se... Il est où? Oh, on va le tuer? Oh, c'est arnaque. Ah si, une flèche plante. Ah, mais ça lui fait rien. Ça lui fait rien? Ah non. Use the light. Problème, toi? Attends. Là, t'es buggy, c'est bien. Oh, je l'ai eu. Ah, il bouge encore. Dégueulasse. Dégueu. Ah, un bébé. C'est horrible, il y a des bébés mutants là-dedans. Tangent l'art. Alors, hein, y a moi le cake là. Putain, j'ai tué le mutant, cool ça. C'est dégueulasse. On venait de par là. Allez, on va s'enfoncer dans la grotte. On va voir ce qu'on y trouve. Là, comme on l'a vu, la grotte, il y a plusieurs grandes entrées. Enfin, plusieurs entrées. Et je pense qu'en fait, c'est un monde souterrain au-dessus de l'île, quoi. Quoi ce truc qui brille là? C'est bizarre ça. Bon, on ira jusqu'au bout là, jusqu'à la mort. Hein. Ah, il y a des cordes au plafond. Ah, comment on les chope les cordes? Dites-le moi. C'est pas mal ça. Ah. Donc voilà pour les nouveautés.
On peut faire l'arc, crafter un arc. Bon, maintenant, on met les deux mains quand on prend les troncs d'arbres. Oh. Je ressors là, non? Ah non. Gauche ou droite? Allez, gauche. Il y a quelqu'un là-bas. Ils sont deux. Oh putain de merde. Ah, ah merde, il grimpe, ce con. Non, tombe pas, toi. Putain, il glisse. Attends, ça va me permettre de voir un peu. Mes lampes, je vois rien, sinon. Putain, mes lampes. Ah, je peux pas. Ah, merde. Merde. Ça c'est. Ouais, bon, c'est vrai que c'est un peu dur de tirer de l'arc et de. Bon, on va passer par là. Pour éviter de se faire tuer de suite. C'est un peu con qu'on explore la grotte. Putain, j'ai faim et j'ai soif. Bon. Ça me donnera pas de vie. Et ça, j'ai pas de barbecue. Oh. On peut descendre plus profond. Cool. J'ai un explorateur. Où est-ce qu'on est là? Oh, j'ai plus de piles. Belle. Alors, recharge, charge, flashlight. Ok, normalement c'est bon, c'est fait. Non, c'est pas ça. Ça. Ah bon, non, c'est pas ça. Ok. Use flashlight. Comment on change la pile? Non. Alors. Ah, c'est ça, charge flashlight? Non? Ma foi, je sais pas. À la limite, on va allumer le briquet, on verra mieux. Oh. Oh là là, oh là là. Oh merde. Maintenant, je vois rouge. On va se soigner. Putain, l'éclairage il est pas top là. On va passer par là. Encore quelques bugs d'affichage.
Viens, petit connard, viens ici, t'as raison, barre-toi, ta fiole. Putain, là, ça fait flipper, là. Lampe rouge. On va aller par là. Les grottes, elles sont balèzes quand même. Énergisant. Bon, on aura fait une bonne partie dans la grotte. On n'est pas mort. Putain de merde. Aïe. Non. Allez, je suis carotte. Non, est-ce qu'ils m'ont piqué mon stuff? Même pas. Putain, c'est Royal of the Night, ça. Peut-être qu'on va trouver ça quand on cherche. Pas trouvé ce casque de chantier là. De se barrer par là. Non, ceci n'est pas un chemin. Ok. Ça, c'est la merde. Voilà, allez, on va aller jusqu'à la mort. Que c'est bon bugué. Ah! Oh! Bon, bah voilà, hein. C'est la fin. Je voulais voir un peu où est-ce qu'on était là, donc on se retrouvera dans 17 jours pour la version 0.06. Et voilà les nouvelles évolutions, donc un petit résumé, on a eu l'arc, on peut crafter un arc, on peut avoir un casque de mineur avec la frontale, que je n'ai pas trouvé chercher dans la grotte. On porte à deux mains, il y a eu des corrections de bugs, enfin voilà, une bonne mise à jour on va dire, correct. Mais toujours le truc de, pour notre expérience, recommencer de zéro, c'est nul. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur The Forest, Man vs Wild 4. Pensez à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Peace.